Les vacances, c'est fini. Ce jeudi 2 septembre 2021, 12,26 millions d'élèves font leur entrée des classes en France. Pays dans lequel l'école est obligatoire de 3 à 16 ans, en ce jour, les stars sont nombreuses à avoir la larme à l'œil en devant laisser leurs enfants pour la journée. Parmi elles, on peut citer Caroline Receveur, Laetitia Milo ou encore Émilie Neff-Naff. Mais les mamans que l'on peut voir dans l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL. Bientôt de retour à l'antenne pour une nouvelle saison, ne sont pas en reste non plus. Florie Galli avait notamment partagé un cliché la veille de la rentrée de ses enfants. Tous étaient très excités avant le grand jour, les préparatifs s'accélèrent pour cette rentrée scolaire. On y essaie la dernière ligne droite. Les enfants sont très enthousiastes, c'est déjà un bon point. Cela va me faire vraiment une sensation étrange car depuis leur naissance ils sont avec moi, écrivait-elle notamment. Même son de cloche du côté de Camille Santoro. La jeune maman a assisté, pour la première fois, à la rentrée à la maternelle de ses deux jumeaux, qui semblent, à ses yeux, tellement petits encore. Toujours ce jeudi 2 septembre 2021, Rofrane Bambara a pris possession du compte Instagram familial pour annoncer que ses enfants aussi avaient fait leur entrée. En légende d'un cliché sur lequel on peut la voir avec son mari et leur quadruplé. Elle écrit, fière, nostalgique, stressée mais heureuse de les voir grandir. Mes bébés deviennent des grands. Bonne rentrée à tous enfants et parents. Un post qui a donné lieu à bon nombre de messages de soutien de la part de ses abonnés, belle rentrée. Bébé d'un coup ça doit faire tellement bizarre le retour à la maison solo. Bonne rentrée courage les kids. Plein de bisous encore bonne rentrée et courage à la maman ça va aller. Peut-on lire dans les commentaires. Voici qui devrait lui faire chaud au cœur.